Dans un monde malade, affecté par toutes sortes de souffrances, des souffrances, des injustices parfois qui peuvent créer l'amertume dans les vies, un blocage. Et parfois, il y a des actions et des réactions qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ah, je rappelle pour les moyens d'aller en cours biblique. Excuse-moi. Et vous savez, quand on ne connaît pas l'histoire de quelqu'un, ce que la personne a vécu, on peut porter toutes sortes de critiques et de jugements. Et vous savez, une personne qui a tellement souffert par la méchanceté, la souffrance, quelle que soit la situation dont la personne peut vivre, elle a tellement de souffrance qu'elle ne peut manifester que la souffrance. Parfois la haine. Et Dieu sait cela. Et Dieu ne... Son amour... Et c'est pourquoi que l'amour attend rien en retour. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit dans sa parole que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. La plus grande des choses, c'est l'amour. Et parfois, nous pouvons chercher la puissance. Mais c'est l'amour qui est le plus grand des puissances. L'amour brise les chaînes. Mais cela aussi a une terrible souffrance pour celui qui donne l'amour. L'amour, ce n'est pas je t'aime avec notre bouche et de chanter. Mais c'est vraiment une vie de pratique. Et Jésus-Christ a été cet exemple-là pour que nous puissions nous marcher sur ces traces. Et le plus souvent, nous ne sommes pas prêts pour cela. Parce que nous nous aimons tellement. Et vous savez, si un d'entre nous, nous avons des enfants, quelle que soit la personne, malade, drogué, Et vous savez qu'est-ce que c'est l'enfer? Est-ce que vous serez prêt à donner votre vie pour l'enfant? La question chacun doit répondre. C'est pour nous emmener à la profondeur de l'amour du Seigneur. Parce que le désir de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Mais il doit trouver des instruments sous cette terre qui sera capable de supporter. Et nous connaissons ces passages. Nous connaissons 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Est-ce que sommes-nous prêts à cela? Point d'interrogation. L'amour pardonne tout. Il croit tout. Il espère. Il espère de voir la situation changer. Il espère de voir cette personne-là revenir. Mais cela a aussi un prix. Comme cela a coûté la vie du Seigneur. Après, nous allons savoir si nous aimons ou pas. Est-ce que nous serons prêts à aider quelqu'un?
dans une situation difficile, est-ce que nous serons capables de prendre sa place et de l'aider au lieu de l'enfoncer, malgré ses faiblesses? C'est une question pour chacun de nous. Avant que nous puissions nous trouver dans une situation aussi pareille, comment nous allons agir? Et le plus souvent, on peut critiquer un patron. Les ouvriers de patron qui ont agi. On peut critiquer un père, on peut critiquer un mère. Les ouvriers de maman, les ouvriers de papa qui ont agi. On peut critiquer un pasteur, les ouvriers qui ont agi. Comment on fait? Et vous savez, l'amour du Seigneur, il n'a pas décidé simplement et dit je t'aime. Et nous avons vu la foi sans les œuvres est morte. Il pouvait rester en haut et dire il y a nous, mais nous t'aimons dans cette situation là toujours. Et c'est là celui qui aime souffre. Celui qui aime vraiment va souffrir parce qu'il va supporter. Il ne va pas chercher son propre intérêt. Dans le seul but, c'est que la situation doit changer. Il ne va pas se battre. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a donné la voie à suivre. Et on peut passer des moments très difficiles, familiales. Dieu sait tout cela. Avec les enfants, Dieu sait tout cela. Au travail, Dieu sait tout cela. Mais il veut que nous, ses enfants, à travers cela, nous puissions apprendre. Parce que lui, quand il va venir, c'est pour que nous puissions diriger avec lui. Et nous sommes en train d'être qualifiés aujourd'hui. Préparés pour servir. Préparés pour régner avec lui. Il permettait pour méchants régner et veiller. Et c'est pourquoi lui, il a pris notre place. Et nous allons voir ça en Ésaïe 53. Avant pour continuer après ce que Dieu fait pour nous. Et Dieu est un Dieu de surabondance et de bénédiction. Dans Ésaïe 53. Nous avons déjà lu cela, lu et relu. Ce matin, soyez trop attentifs. Parce que si nous voulons servir le Seigneur, si nous n'avons pas d'amour, nous ne pourrons pas résister. Parce que toutes sortes de personnes que Dieu va appeler, il va appeler les malades. Mais il veut des ouvriers et des ouvrières afin de les aimer comme Dieu a aimé. Avec leurs défauts et avec leurs qualités. Afin que nous puissions être prêts pour le service qui va venir. Aujourd'hui là, nous nous préparons pour le véritable. Nous nous préparons pour le véritable. Ce que nous vivons ici, ce n'est pas le véritable. Mais nous nous préparons pour le véritable. Nous sommes à l'école. Et lui, il a donné l'exemple. Ésaïe 53, qu'est-ce qu'il dit? Dans ma version, la semeur, parce que Dieu est une semence. Dieu sème. Dieu est un donateur. Et il faut qu'il y ait des receveurs. Pour que nous soyons, nous, en retour.
en receveur et en donateur également. Ça, c'est le principe du Seigneur. Recevoir pour donner. Recevoir pour donner. Et donner ça à un prix. Donner ça à un prix. Donner cela coûte. Si nous sauvons Jodla gratuitement, mais cela a été payé. Il ne faut pas oublier ça. Il dit en Ésaïe 53, qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Dans ma version. Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous, vous et moi, le monde entier. Imaginez-vous ça, le monde entier, ce poids-là. On l'a frappé et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à ce qu'il ait accusé nous faussement et nous pas dit aïe? C'est la question. Nous pas dit un lien. Ah! Silence! Silence! Parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait, il était conscient du prix à payer pour que moi et vous, nous puissions être là aujourd'hui. En train de chanter et en plus que je puisse là, en train de parler là ce matin. Frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et parfois, on peut comprendre qu'on sent tébé ou pas ni force. Et l'anglais a dit non, faut riposter. Mal pour mal, dent pour dent. Mais non, on sent tébé ou pas affaillé. Parce que le but pour toi, c'est pas toi. Le but pour toi, c'est pas toi parce que tu sais d'abord. Tu sais que, comme nous l'avons chanté, notre vie est dans les mains du Seigneur. Et le Seigneur s'occupe de moi. Quand nous saisissons cela, et c'est pour cela que parfois nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Moi, 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 moi et moi. On va prier pour moi. Je vais gêner pour moi. Mais quand on entre dans cette dimension, on ne gêne plus pour soi. On gêne pour les autres. On prie plus pour soi. Hein? On va prier pour les autres. Parce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Tu sais ce don qu'il a fait et que tu es, a été racheté pour servir Dieu le Père. Auprès des autres, je n'ai plus à m'occuper de moi. Je m'occupe aux affaires de mon papa et mon papa s'occupe de moi. Mais nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes. Nous nous aimons tellement que le Seigneur nous dit, et nous l'avons vu,
aime ton prochain comme toi-même. Pourquoi le Seigneur a dit comme toi-même? Parce que le Seigneur savait que nous aimons nous. Nous qu'à jouer à adorer nous. Pourquoi comprendre que le Seigneur te dit aimez comme toi-même? Parce qu'il sait que nous nous aimons. Parce que quand nous-mêmes, nous allons nous trouver dans une situation, nos cœurs vivent tous et venons. Nous avons envie de patienter et venons. Et comme cet homme-là, comme nous l'avons vu, il était doué, il était mis des dettes envers lui, il pliait, en d'obtenir un dette envers lui, il était exigé, puis étranglé. Il t'a aimé. Lui-même a aimé, pas tant aimé les autres. Et quand nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes, sur moi, nous, moi, je, on n'aime pas. Parce qu'on va tout mettre sur nous, moi, mon intérêt, c'est ça que je veux, c'est ce que je vois, c'est comme ça que je veux faire. Qu'est-ce qu'il dit? Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort. Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avait prononcé le mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et c'est pour cela que quand nous puissions venir servir le Seigneur, il faut que le Seigneur nous brise par des situations, par quelqu'un qui peut être à ton côté, par un patron. Il faut que nous soyons brisé. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que Dieu ait livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance et il vivra de longs jours. Et cette descendance de Christ, c'est vous et moi aujourd'hui. Il est content quand Jésus-Christ visite aujourd'hui. Il voit des âmes venir à lui. Il est content. Il est content. Mais avant cela, il a passé par la souffrance. Et dit, et il accomplit avec succès ce que désire l'Éternel. Et nous voulons accomplir avec succès ce que désire l'Éternel et nous ne voulons pas le brisement, nous ne voulons pas de souffrance. Et nous voulons accomplir avec succès négatif. Il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Avec succès. Et nous voulons le succès. Qui ne veut pas le succès? Tous nous voulons du succès. Mais on ne veut pas passer par le chemin. On veut la vie sans passer par la mort. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas de gloire sans humilité. Sinissa, c'est diablesse. C'est sorcellerie. Il n'y a pas ça. Il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel, car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Il sera comblé. Comblé, nous voulons être comblés, nous voulons être bénis. Et c'est là qu'il y a la multiplication. C'est là qu'il y a la multiplication. C'est là qu'il y a la bénédiction. Parce que nous n'avons pas dépendre de système de ce monde qui achetait et vend. Et que le principe du Seigneur qui donner et recevoir.
Dans ce système-là, nous sommes limités. Dans le royaume du Seigneur, il y a la multiplication, il y a ça, mais il y a un principe biblique. C'est cet amour manifesté. Pas d'amour, pas de succès. C'est que éphémère, fini. Mais il y a la durance. Qui nie la endurance? En semence qui est durée. C'est parce qu'en semence de tomates, il faut que 3 mois après y arrêter. Mais c'est quelle durée? Et c'est pourquoi il nous dit de persévérer. Et c'est là la bénédiction va se trouver. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Église a de grandes faiblesses. Parce qu'on s'entre-déchire nous-mêmes. On se méprise nous-mêmes. On s'entre-déchire. Parce que nous voyons sous notre propre intérêt à nous-mêmes. Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous qui tentons parler de la gloire de Dieu, vous pouvez voir. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus, parce que le test là nous a échoué. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur le juste le déclarera juste. Et se chargera de leur faute. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Et il partagera le bulletin avec la multitude. Et c'est pourquoi Jésus-Christ aujourd'hui, il est venu partager avec nous. Il est venu nous donner. Et c'est pourquoi il nous dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il a reçu cela. Il a reçu. Et il a tellement aimé, il a créé le monde pour partager l'évêque. Parce qu'il aimé. Et c'est pourquoi que nous naître de nouveau. Pour qu'il puisse partager avec nous. Pour qu'il puisse nous donner. Il n'a pas gardé cela pour lui. Il dit, mais on y tout ça. Ah non, on a créé. Nous pour renaître. Pour partager richesse et éveil. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes héritiers de Dieu. Et co-héritier avec lui. Nous, il ne peut pas nous faire nous héritier de Christ, mais héritier de Dieu. Et co-héritier avec lui. Et c'est lui qui avait tout. C'est pourquoi il est écrit que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La mentalité d'esclave veut s'accaparer lui-même, se concentrer sur lui-même. Quand nous avons une mentalité d'esclavage, parce que nous sommes sortis, formatés par la religion, formatés par le système de ce monde. Et c'est pourquoi il dit, soyons renouvelés par l'intelligence, par le renouvellement de l'intelligence. Parce que nous formatons en pensée, nous fait ça reprogrammer. Parce que nous tellement
rester en religiosité, en religion, nous toutes les femmes dans ça. C'est en mériter ça. Fais-moi faire ça, moi ça. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, mais on bénit. Quand tu es béni, ou pas penser à vous, encore parce que vous êtes béni, quoi penser aux autres, ou quoi pour souci de l'autre. Tu te soucies de l'autre. Partons-vous à dans une situation communale pour réaliser ça. C'est pour cela. La première chose que le Seigneur a donnée, vous savez le lire chez vous, Romains 5, 5. Romains 5, 1 à 5, vous allez voir ça. Il a répandu l'esprit. On va voir. On va revenir après à Isaïe. Mais regardez ça. Romains. Romains 5. Je prends verset 1. Il dit dans ma version, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, et nous avons vu la foi qui est en toi, est-ce que vous avez songé ça? La croyance, la confiance et l'obéissance. Qu'est-ce qu'il nous dit? Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. Dans ma version, hein? Je lis dans ma version. Vous n'êtes pas troublé, c'est dans ma version. Vous avez peut-être une autre version. Et notre fierté se fonde sous l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. D'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses. Car nous savons que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu a versé son amour, Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a nous acheté. Il marque ça? Donner. Donner, donne. Et ça, difficile à donner. L'être humain en met pour, moi. Mais lui, il dit, il baille. Il a répandu cela dans nos cœurs. Pour que cela puisse fructifier, multiplier. Comment? Fait bien mettre un monde au avou, puis nous n'avons gaz. Parce que un plante, il a poussé les fouilles en terre. Et il a éclaté, il a mort et un d'autres cap en place. Puis porter du fruit après. Alors, là où nous avons un gaz, tu sais que tu es dans la justice de Dieu, bénis Dieu. Pas pleurer. Parce que c'est là où c'est un fils. Parce que le fils, il donne. Et ça qui a brisé l'ennemi. L'ennemi ne supporte pas l'amour. Amen. Un seul bitrine qui a fait paix, c'est l'amour. Ça qui a déstabilisé l'amour. Aïe, donne. L'amour. On peut flègue, on peut pitié. Devant Goliath, il est tombé. L'amour. Et cela a un prix.
Cela, ça, c'est souffrance de l'air, quoi. En disant, on a bouillé ou t'es modé, mon âme. Ah, pas vrai? Ou t'es bien bon bateau, même. Mais là, vous pouvez. Mon âme a fait des bites, parce que c'est pas possible. C'est que l'amour du Seigneur, il peut faire ça. Parce que. Il y a une chose que je méditais. Je dis, si le Seigneur pas tenu l'amour, il ne peut pas descendre. Souvent, il ne peut pas tenu l'amour, il est resté en bas, il ne peut pas monter. C'est l'amour qui a triomphé. Et il te peut dire, la diable, bon, moi, clé là. Il te peut dire ça. Mais là, c'est nous qui créons cette situation là. Pour qu'il passionné. Et vous savez, le Nathan, au roi David, il dit, voilà ça qu'il fait en parabole. Mais il dit, cet homme mérite la mort. Là, il dit, c'est, il fait, oh! Mais cet homme, c'est toi. Il était obligé maintenant de prier. Alors, pas attendre la situation à arriver nous pour nous comprendre. Parce que Dieu a répandu cet amour dans nos cœurs, dans nos vies, pour que, à travers nos vies maintenant, que nous puissions être en tandem avec le Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et trop souvent, nous voulons confronter la chair avec la chair, ou peut-être combat. Le diable veut t'amener sous son terrain à lui. Parce que son terrain, c'est la chair. Et même si vous rentrez en terrain, la chair avec diable, même si vous dites au nom de Jésus, allez bien marcher. Et c'est ça, il va te provoquer. C'est pour rentrer en terrain et puis battre vous après. Lorsque vous rentrez en terrain, vous-même vous avez battu et puis battre vous. Mais si vous n'avez pas occupé, ou qu'à prier, bah, et c'est ça la Bible dit. Priez pour vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Priez. Bénissez ceux qui vous maudissent. Parce que Dieu nous a bénis. Celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Alors, moi, en panier à goumer, moun. Si vous bénissez, moi, si vous même. Si on bénit un enfant du Seigneur, si tu as été béni, si tu as été béni, si on bénit, c'est lui-même qui est béni. Mais dans ce système de ce monde-là, il n'y a pas béni pour le marier. Si on bat ça, on peut garder mes bien en lié, ça c'est l'âme. Donc tu vois quelque chose, toi tu me dis, non, on ne peut pas faire ça parce qu'il bat ça, intérêt. Mais tu sais qui tu es. Si moi béni ou sans béni, si moi béni frère là, c'est moi même béni. Parce que c'est un enfant du Seigneur qui fait ça. Mais le système de son gratuit, ils sont bénis en paix. Si on béni mon assaut, regardez-moi bien, il y a une reconnaissance envers moi. Non, 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 non. Ça c'est pas ça l'amour. Ça c'est intérêt personnel, intérêt calculateur. L'amour ne calcule pas. Maintenant, quand tu sais qui tu es, si on me bénit, si vous m'avez habité, ou vous, c'est vous qui êtes béni. Comme ça, pour moi, ne pas faire marchandage, pour moi, ne pas mettre aussi pour jouer. Parce que trop souvent, on peut te donner quelque chose pour te faire former ta bouche, pour te corrompre. Ça, c'est le monde. Il y a comme vous, il y a barré. Pour comme vous. Pour partir, bah, il est comblé, mais les jours pas rentrer en piège, il t'a lâché. C'est pourquoi, jeune homme, les enfants, jeune garçon, ils ont vu beau, aïe aïe aïe, ils ont remonté au ciel. Mon père savait ce diable qu'il a. Ils sont jolis. Ils sont belles. Ils qui prennent la ligne bas, peut-être à déjà tourné en l'air. Pourtant, j'ai une aussi, en tout cas, dit ça. Et les filles, peut-être tellement fait. Excuse-moi. Mais il y a quoi?
la seule chose, c'est ton propre intérieur de chercher. Parce qu'après là, on prend ça, on y apprend, ou pas vrai tout défaut. Et puis ça, il y a prié. Alors, pas lâcher pour jouer étranger, pas rentrer en bail. Parce que l'on rentre en bail, ou fait un vœu éveil, il a dit, malheur à celui qui réfléchit après avoir fait un vœu. Il est trop tard. C'est malheur. Après, vous cherchez tout partout pour faire briser l'éternel, pas qu'à faire. Mais vous rentrez en bas en feu à présent. En puits. Et qui est plus de bas après pour sortir. Ou quand vous faites ça très très vite. Parce qu'il y a une belle parole. Pied, fine, super. Belle parole, belle parole. C'est l'amour de mon cœur. J'ai dit ça, mais j'ai dit d'autres ça aussi. Hein. Vous pouvez dormir, vous pouvez rêver. Mais après, c'est après. Parce que après le coup de foudre, c'est l'orage. J'ai le coup de foudre. Mon pense à l'orage là derrière. Un coup de foudre là, pas un coup de foudre, mais l'orage là derrière. Vous pensez que c'est l'orage. L'orage derrière. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, en effet, mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire. Dans l'épreuve, la victoire nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a donné. Amen. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine acceptons de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un a-t-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu montre, alléluia, montre son amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. La foi avec les œuvres. Il est mort pour nous. Est-ce que nous sommes prêts à mourir? Est-ce que nous sommes prêts à prendre ton lapito? On y raison, on va prendre ton lapito. Est-ce que nous parlons à ça? Prêts à ça? En y raison, Maka dit, moins la paix, a qu'à passer pour un monde qui n'est tort. Et c'est ça qu'il a fait. Il a pris sur lui. Et dit que nous étions en vêtements déchirés. Avant que Dieu il ôte les vêtements là et jette you, mais il fouille l'œil. C'est ça qu'il fait. Et il changeait avec nous. Et vieux vêtements là, il prend, il fouille l'œil. Lui-même, il prend, il fouille, il mettait. Il a pris ça sur lui. Il a pris, il ne pas mettre à côté. Il prend, il fait un remplacement. Pour que nous, en retour, nous puissions faire de même. Et c'est là qu'il y a la bénédiction. C'est là qu'il y a la multiplication et la croissance. Parce que Dieu, mon papa, il m'aime. Parce que je connais mon papa. Est-ce que pour mes besoins fondamentaux, Dieu prend soin de moi? Je n'ai pas à m'inquiéter pour cela. Je n'ai pas à m'inquiéter pour cela. Je n'ai pas à m'inquiéter pour cela. Parce que lui, il va prendre soin de moi. Est-ce que je vais jeûner pour mes besoins fondamentaux? Non. Est-ce que je vais prier pour mes besoins fondamentaux? Non. Parce que mon papa m'aime. Sinon, je vais faire quelque chose, je vais annuler la grâce du Seigneur. Et c'est pourquoi quand je donne avec amour, sans rien attendre en retour pour mes besoins fondamentaux. Parce que cela est fait par mon papa.
Est-ce que Timouna ou ni en nous qui méchants, et la Bible dit, nous qui méchants, il dit, vous autres qui méchants, qui savez donner des bonnes choses à vos enfants, à forcerie, moi le Père Céleste, mais pas tout le monde bobité, est-ce que vous êtes Timoun, fait Timouna est gêné pour bien manger? Réponds-moi. Ton enfant te demande à manger, quand il dit, est gêné, viens après. Ça, c'est la religiosité, mentalité, parce que fait nous faire pèlerinage, nous fait nous monter mon caverne, dans le désert, à genoux, à calpate. C'est quoi nous avons une mentalité de la méritocratie. Mais il y a des choses dans lesquelles est-ce que le Seigneur veut nous apprendre. Et c'est pourquoi parfois nous semons, nous donnons, parce que nous avons une mentalité autre chose. Ce que tu veux donner ne va pas venir à mes besoins, parce que Dieu a qu'à prendre soin de moi. Et c'est pourquoi il nous dit cela. C'est pourquoi il nous dit, et c'est là qu'il y a la bénédiction, dans cet amour-là, c'est là. Je ne vais pas faire les choses. Mais j'ai, parce que j'ai, je donne. J'ai reçu l'amour du Seigneur. Je peux donner l'amour du Seigneur. Je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas mérité. Et trop souvent, on cherche à mériter l'amour de l'autre. Et c'est pour ça que nous avons fait. Fais pas faire. Oui. À quel faire les choses? En cachette. Mais nous sommes radicales avant d'autres. Nous sommes coupés pour d'autres. Qu'est-ce qu'il nous dit? On va voir cela. Vous allez lire chez vous. Vous allez voir en Genèse. Comment Dieu est un Dieu d'abondance, de surabondance, de bénédiction. Et son royaume s'est donné et recevoir. C'est ça le prix. Tout ce que l'Éternel fait, il baille. Il baille. On va voir avant de venir à ce verset, on va voir Genèse. Et cela se fait dans l'amour du Seigneur. Dans l'amour du Seigneur. Nous donnons pour satisfaire nos besoins charnels. Mais Dieu déjà pourvoit à nos besoins fondamentaux. Ça c'est le rôle de papa. Venir aux besoins. Mon petit dit si mon amour est prié, est gêné avant moi, ben manger c'est wall en moi. Ça pas qu'à garder. Fais ça, yo dit ou fait. Fais ça, papa dit fait. L'obéissance, nous avons vu ça. Fais ça, il dit ou fait. Regardons, depuis le départ, ce que Dieu veut, l'abondance pour son peuple. Genèse 1, verset 27 à 28. 27 à 30, je lis. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient à son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les a créés, l'homme et la femme. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez. Mais le système de ce monde qui dit un jeune marié, vous savez, il est tellement raide, on sait ce monde pour faire. Parce que à la base, qui est ta source? Je ne dis pas qu'elle est fait, qu'il fait pour faire. Mais la base, c'est quoi? Est-ce que c'est ce monde-là qui va déterminer? Est-ce que c'est le planning familial qui va déterminer pour nous? Est-ce que c'est Dieu qui est à la base? Moi, je vous dis, moi-même, moi, en t'évelé des timounes. Je vous dis ça parce que au départ, c'est des timounes. Là, nous venons troisième là, messieurs, nous penser à l'avortement. Donc, mais qui est qui fait? C'est moi celui qui travaille, madame moi pas travaille. Mais qui est ta source, Fabrice? Nous moitié fait ça. Troisième là, nous dit mon Dieu, mais mon Dieu, on est démé.
Quand Dieu bon Dieu pas ça vous nous aimer. Nous disons ni un garçon et une fille, mais nous disons pas ni trois sexes, mon Dieu. Il passe à ça. Non seulement il ban nous deux, il ban nous quatre. C'est une leçon pour moi. Et c'est moi seul qui ai quatre travails. Et j'ai vu la main de Dieu. J'ai un vrai meilleur portier. Il vous fait porte. Alors vous, mon frère qui n'y sentit mon papa, il est peut-être un béni portier. Pas inquiété de ça. Fais confiance à mon Dieu. Et mon Dieu, mon Dieu, le bon Dieu dit mon ça, remets-toi en meilleur. En train de inquiéter moi pour l'endemain. Ok, frère, mais qu'est-ce que fait? Et étudier, parce qu'on veut des mondes, on ne peut pas voir des mondes plus loin parce qu'on n'a pas de l'argent pour te payer. Mais moi, on y trois, on y quatre, on y trois en France, on va payer en yé. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu vous fait porte. Ça, c'est le royaume de Dieu. Donner et recevoir. Mais là, nous avons une mentalité acheter et vendre, nous piéger et nous limiter. Et c'est lui qui a dicté ça pour faire. Là où pas ni ça, on ne peut pas faire ça. Que tout ça? Vous dites, mais bon, vision. Il peut pas vision, mais non. Il peut supposer que le pasteur a une vision. Il dit, pasteur, là, on va faire un grand bâtiment même. Et il y a très peu de finances qui sont rentrées. Donc, il est réuni comme une terre. Vous savez, non, mais tu es fou, hein? Ou fou parce que ça nous nie, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que nous ne pouvons pas compter si ça, c'est sous son nom. Nous limiter. Qui est ta source? Qui est ma source? Faut nous déterminer qui monde qui sous nous. Est-ce que ton mari qui est ta source? Est-ce que madame qui sous ça? Ou ce travail qui sous ça? Ou c'est ce système de ce monde-là qui est ta source? Et Dieu ouvre les portes. La parole du Seigneur. Et à un certain moment, je vous dis, là, vous venez marier moi. À ce moment, pas tenir rien. Ah! On va pleurer. On va dire, Seigneur. Je ne peux même pas, tu dis papa, celui qui ne signe un mon chômage là, qui maille chômage là, coûte ça bien. Ou maille une difficulté, ou une timon, une madame, tout ça, ou pas quatre avec ta raide. Tu sais, Dieu, parole là, c'est oui et amen. En certains moments, je pleurais même. Je pleurais. On dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire que n'est fidèle. C'est ça qu'on dit. Je là, en pire que n'est fidèle, et on ne fait pas ça. Je ne peux même pas acheter un slip pour mon épouse. Porte ouverte. Dieu a mis à disposition. Et il va mettre des gens. C'est pourquoi toi, on peut être, rien n'était possible à Dieu. Pour que Dieu passe à travers via ou pour bénir quelqu'un. Ah, rien. Il peut passer à travers via ou en case, en voiture, quoi que ce soit. Parce que Dieu considère ces choses de ce monde comme peu de choses. C'est la parole, il le dit. Il le considère comme peu de choses. Mais nous, quand même, gros valet, et c'est pourquoi nous ne payons pas, nous bloquer. Dieu lui dit, ça c'est peu de choses. Moi, je considère cela comme peu de choses pour te donner le véritable. Quelle valeur que nous donnons à l'argent? Dieu le considère comme peu de choses. Et là, considérer comme peu de choses, quel que soit sa bon Dieu, m'a bien fait. Il peut dire, aujourd'hui, donne tout ton salaire au péché bloqué. Parce que tu considères comme peu de choses. Il peut faire passer quelque chose entre tes mains pour bénir quelqu'un. Quelqu'un qui est dans. C'est pourquoi quand le peuple de Dieu a soif et faim, Dieu a étanché soif. Il peut modifier quelque chose. Tu peux prier chez toi. Tout seul. Et au moment où serviteur la cafine pour prêcher qui est changé. Parce que tu avais soif et faim du Seigneur. Est-ce que quand nous venons à l'assemblée, nous faim et soif, ou nous brisons une garder monde, ou nous brisons un spectacle?
Nous voulons voir qui est à la café. Comment il a fait? À quel fait que j'ai arrivé? Sans moi, personne n'est indispensable. Personne. Et c'est pourquoi le Seigneur dit cela. Ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Prêtre, l'amour ne lie pas les autres. L'amour pas qu'à venir mettre en l'air les autres. Mou ou que tant de meilleur pour lever et monter. Ou que tant de meilleur pour aider, pour supporter. Mais pas pour craser, pas pour tuer, pas pour abattre. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et l'œuvre du diable, c'est la mort. En face à la mort, il y a l'amour. Et c'est cet amour-là qui a fait face à la mort. Du côté du diable, malédiction. Du côté de Dieu, bénédiction. Du côté du diable, l'orgueil. Du côté de Dieu, l'humilité. Du côté du diable, non pardon. Du côté de Jésus, le pardon. Du côté du diable, c'est volé. Et c'est pourquoi il n'a pas changé. C'est pourquoi il est venu premièrement. Pourquoi? Pour tromper. Les tromper, il est volé. Les volés, il a détruit. Les détruits, il a tué. Mais Dieu nous est venu, non pour tromper, mais pour donner la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il n'est pas venu pour détruire. Il est venu pour rebâtir. Rebâtir des anciens fondements. Mais il vient pour démolir l'œuvre du diable. Il n'est pas venu pour donner la mort, mais il est venu pour donner la vie. Et la vie par-dessus quoi? En abondance. Parce que c'est l'abondance. Mais est-ce que je suis prêt pour cela? Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Sommes-nous prêts pour cela? À cet amour, l'appel du Seigneur, à cet amour qu'il a. Si on m'a donné 2 kilomètres, on fait 4 éveils. C'est ça ici, on a déjà vu ça ici. Je ne fais que répéter cela d'une autre façon. Il y a bali en colombo, il y a bali en soupe, chitaï. Quelle que soit la forme que Dieu va prendre, mais c'est la même chose. Différents ministères, mais le même esprit. Diversité, mais le même esprit. Donnez, nous avons vu ça, multipliez-vous. Prenons 9. Voilà ce que Dieu veut. Toujours dans Genèse 9, 1, verset 1, il dit: Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Au verset 7, il dit: vous donc, soyez féconds, multipliez-vous et répandez-vous en grand nombre sur la terre. Dieu, c'est grand. C'est grand. On ne peut pas imaginer ça, ce que Dieu veut pour son peuple. Genèse 12. 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: l'Éternel dit à Abraham: va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une petite nation, une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important et tu deviendras une source de bénédiction. La source est en nous. La source de Christ est en nous pour pouvoir donner, pour pouvoir donner, pour pouvoir distribuer cela. Mais si un bloc est stagné, il est pourri.
Il peut mettre microbes, il peut mettre moustiques pour manger les gens. Ne laissons pas l'eau tarir dans nos vies. Qu'est-ce qu'il dit? Une source, je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui t'outrageront. Donc, vous ne pouvez pas faire rien. Si vous bénissez, c'est vous-même qui vous bénissez. Dis-moi qui est à côté de là, si vous bénissez, vous bénissez vous-même. Si vous bénissez, vous bénissez vous-même. Mais si vous maudissez, mais c'est vous-même qui maudissez. Si vous maudissez, vous maudissez. Parce que c'est ça que tu es. C'est ça que tu es. Si vous maudissez, mon maudit vous-même. Si vous bénissez, vous bénissez vous-même. Alors, moi, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à faire. Ou béni, moi, c'est vous béni. Ou maudit, moi, c'est vous-même, ou maudit. Parce que c'est un enfant du Seigneur. Et c'est dit. Il dit, celui qui te bénira sera béni. Alors, là, vous êtes malé en l'air, il faut demander quand faire et bouche en moi. Quand dit. Posons la question vous-même. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Parce que si tu es maudit, un enfant du Seigneur. Ou maudit ou vous-même. Sous béni ou béni. Donc, ou pas ni si je joue pas pour mon ou pas doué pour mon aïe, si ce n'est de l'amour. Si ce n'est de l'amour. Ensuite, 13. Toujours 13, 14 à 17. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui. Il y a des moments, une séparation qui est bonne. Depuis vous ou pas à l'initiative de séparation là ça ou pas l'initiative de faire mon affi et de séparation qui vont qu'elle dire et dire l'Éternel dit à Abraham après que l'autre se fût séparé de lui après que l'autre se fût séparé. Il y a des choses dans notre vie faire une séparation pour mon Dieu parler et dire après que l'autre fût séparé de lui les yeux lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es. Vers le nord, le sud, l'est, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. Enfin, royaume de Dieu, donné. Il n'a pas dit, ou qu'il a acheté. Il dit, je te le donnerai. Rien n'était possible à Dieu. Je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu est un Dieu de largesse. C'est ça, mon papa, c'est ça qu'il est. Mais est-ce que bon Dieu qu'il y a un problème? Non. Il a dit le bois de l'Éternel, la main de l'Éternel, il pas coûte. Mais ce sont nous. Donc, revisons notre propre voie au lieu de reviser la voie de l'autre. Et pourquoi il dit ça? Mais avant, il y a une difficulté entre l'autre et Benjamin. Il dit. Quand Abraham dit, il dit, plus loin en haut, il dit au verset 8, Abraham dit à Lot, il ne peut pas combattre dans la chair. Il dit Lot, bon d'où ça? Nous sommes de la même famille, et c'est ça, nous sommes de la même famille. Nous sommes de la même famille, il ne faut pas qu'il ait dispute entre moi et toi. Le principe du royaume de Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait dispute entre moi et toi. Qu'est-ce qu'il dit? Entre mes bergers et les tiens, séparons-nous plutôt. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout pays à disposition. Maintenant, soit à gauche, accueille à droite. Soit à droite, et moi accueille à gauche. Mais, il faut côté là qui pire vers doyen là. Quoi charnel là, il a échoué terrain à yo. Côté là, c'est pourquoi là on y habite, ou qu'il déposer là quoi pour un dernier. Il dit choisis avant, prends avant. Et là, il prend côté là qui était en aïe mais là, mais pas testavé t'était Sodome et Gomorre qui était là. Et qui est le monde qui vient sauver après en boubier là, c'est Abraham même. Et le plus souvent, nous regardons les yeux charnels en nous. Nous avons vrai quelqu'un comme ça. Mais pas qu'on est demain comme on a accueilli.
si bon Dieu pas révélé qui moun y qui moun qui t'était établi pour les sol qui moun y t'ai fait ça. Et le plus souvent on regarde les gens avec leurs yeux charnels, leur faiblesse, leur... mais on ne sait pas. On ne sait pas qui sous cela ça. On ne sait pas quel caméné fait ça. Est-ce que j'ai prié bail? Est-ce que j'ai prié bail? On ne peut pas savoir quel caméné fait ça. Mon pressé avec pharisien et rachat en meilleur, bon Dieu pas appelé boucher. Ou boucher pour couper. Vlaou, vlaou. C'est que ou pas connaître. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur, il a souffert en monde aller en enfer. Ça, c'est mon a décidé ça vraiment, ma par le Seigneur. Parce que il a pris temps, il a patienté. Mais là, vous voyez aussi, il a arrêté. Ça, c'est malheur. Et c'est pourquoi le Seigneur n'a pas qu'à faire les choses vite, qu'on nous voulait aller vite. Il prend son temps, parce qu'il peut aller jusqu'au... Parce qu'il sonde les cœurs, et il sait, il voit tout. Et il veut, aujourd'hui, que nous puissions être. Et c'est pourquoi, en Apocalypse, je crois que l'église, j'oublie, mais c'est l'église de Thyatira ou Philadelphie, j'oublie, mais il dit... Tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Je te garderai de la tentation qui va s'abattre sur le monde. Et qu'a dit à la fin, tu seras un pilier dans ma maison. Un pilier, en colonne, un pilier à deux cases qu'à supporter. Et c'est pourquoi pour les enfants du Seigneur sont appelés Philadelphia. Appelé à être un pilier, un poteau, afin que l'homme qui a craqué, il était tout bout là. Les vents finis. Et c'est pour ça que celui qui écoute la parole et ne le met pas en pratique, il bâtit quand même. Mais celui qui écoute et met en pratique, il bâtit, mais il bâtit sur le roc. Maintenant, le vent va venir. Le vent va souffler. Et c'est là le vent qui a soufflé ou qui a gardé qui moune qui moune. Après les tout, peut-être qu'elle est bien. Alléluia, amen. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Ça, c'est bouche. L'Éternel peut dire ou quoi tant je t'aime quand tu me dis à vous. Ça, c'est bouche. Ça, c'est apparence. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir l'image de Christ. Et c'est ça. Et quand nous entrons dans cette dimension-là, ça c'est plus toi qui fais. C'est plus toi qui fais les choses cool. Et tu vas aimer malgré toi. Amen. Faut que tu ne pas comprendre. Comment faire? Mais ça c'est le Seigneur, c'est pas toi. Parce que le Seigneur est en train de faire en toi. Et là, le vent là qui est soufflé, il qui est soufflé, vent là qui fait une menace, l'eau qui est montée, tu resteras debout. Amen. Mais si tu n'es pas là, il qui a condition, il qui a vu une pire mauvaise, il qui a chaillé. Et c'est là le vent qui a vanté, ou qui a vu si cas anticyclonique ou pas. Ou bien, ben, tout le monde dit, là où le vent commence à souffler, ou qui a vu qui est ou pas. Alors, notre parole ne pressionne pas Dieu et ni le diable. Mais un enfant du Seigneur, la parole du diable n'est pas impressionné. Les choses vont venir, les difficultés vont venir, mais tu sais en qui tu as mis ta confiance. Ce que Dieu a vrai n'a pas qu'à considérer. Moi, je veux considérer ce que Dieu voit. Et tu avances par la foi. Parce que tu fais confiance au Seigneur, tu crois, tu fais confiance et tu obéis à la parole du Seigneur. Dieu me dit, prier pour ennemi en moi, c'est l'obéissance. Il ne peut pas faire autre chose, il doit prier.
J'obéis. Et maintenant, Dieu agit. Dieu se déploie en toi. Dieu n'est pas ton esclave. Tu n'as pas utilisé Dieu. Enfin, on peut utiliser Dieu. On fait des choses de travers. Pourquoi dire Dieu qui fait bon, moi, Dieu qui garde. Non! Il y a des principes. On ne peut pas, quand on veut, ou quand on tout tourner casque, ou quand on veut frigider là, ou quand on rentre là-dedans, ou quand dit le sang de Christ me purifie, alléluia. Je sais où quand tu es guéri, ou péché guéri. Parce que ce n'est pas aladé. Le sang de Christ n'est pas aladé. Ce n'est pas une portion magique. Le nom de Jésus, ce n'est pas aladé ou qui dit ça. Non! Ou qu'a violé, ou qu'a piégé. Et on peut dire après, non, ça n'a pas qu'à marcher. Non, c'est vous pour aligner parallèlement à la parole du Seigneur. C'est nous. Mais Dieu veut énormément. Dieu veut passer, Dieu veut ça. Il le veut. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 14. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque... C'est bien ça. Attrapez-moi. Ouais. Voilà. 17. Chapitre 14. Verset 17 à 20. Il dit, lorsque Abraham revint, après avoir battu Gédon la mère et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé et qui est la vallée royale. Melchisédek, roi de Chalem, qui est près du Très-Haut, apporta du pain et du vin. Apporta quoi? Du pain et du vin. Alléluia. Cela nous rappelle, lorsque le Seigneur est venu avant de mourir, il a apporté le pain et le vin. Il dit, moi, il dit ce disciple-là, il dit, l'amour, le comble à son amour pour eux. Il partageait avec eux, il dit, moi ça c'est quoi au moins quand il m'a et moi ça c'est sans moi, hein, livré pour sort. La coupe de bénédiction. Cet amour-là, il a partagé la même chose là, il portait pain et vin également, le comble de son amour. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, que le Dieu très haut, qui a formé le ciel et la terre, bénisse Abraham et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le dixième de tout le butin. Amen. Béni. L'Éternel béni le comble de son amour pour ses disciples. Il les a bénis. Il dit qu'il est mort par Zot. A fait que Zot des champions d'aimer. Face aux puissances de l'ennemi, face aux bêtises que tu en l'air, face au cran-cran, face au commérage, face au faux témoignage, face à toi. Et dit cela, maintenant pour nous maintenant, c'est plus encore, plus, et nous allons voir la comparaison que le Seigneur veut pour nous. Matthieu, avant Matthieu, on va 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9. Chapitre 9. Au verset 8. Il dit, dans ma version, il a aussi le pouvoir de vous combler. Ça, c'est notre Dieu, ça. Il a aussi le pouvoir de nous... Attends, je reprends. Il a aussi le pouvoir de nous combler de toutes sortes de bienfaits. Et si vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore pour toutes sortes d'œuvres bonnes, ainsi qu'il est écrit, on le voit donner
largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. On voit que l'on est au royaume de Dieu. Toujours, quand Dieu parle, il parle de donner, il parle d'excellence, il parle d'abondance, il parle de surabondance. Maintenant, en Matthieu 6, il va nous rappeler, mais qui est ta source? Matthieu. Matthieu 6. Et Matthieu qui veut dire don de l'Éternel. Matthieu, tu es don de l'Éternel. Amen. Don de l'Éternel. Il dit 6. Matthieu 6. Verset 24. Prenons pied plus haut. Il dit, verset 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille et des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythe, ni ronge, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Là où ton trésor, c'est là qu'il y a au cahier. Qui trésor a? Qui trésor a? Est-ce que trésor a, c'est l'Éternel ou c'est trésor a, c'est le don là? Ou c'est le donateur? Qui est ton trésor? Amen. Il dit, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. C'est pour cela que chaque membre du corps de Christ a sa valeur et a son importance. Chaque membre. Il y a un petit défaut, qui problème. Mais il importe ça. Si pas là, moi je suis handicapé. Si pas là, en Christ. Si pas là, en malheureux. En vépar maouaï. En veut pas destruction, mais plutôt restauration. Peu importe, même si on aille moins, même si on dit bêtise à les moins, mais ça, mes frères, c'est restauration. C'est ça un fils. C'est ça une fille de l'Éternel. C'est ça. C'est pas du parole en, c'est pas du parole en l'air. C'est pas du blablabla. Bla, bla. Ce n'est pas un discours persuasif. Ce n'est pas politicien. Non. C'est une réalité. Qu'est-ce qu'il dit? Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbre profonde te trouveras-tu? Et tu après, nul ne peut servir en même temps, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres. Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent, ou bien Dieu et maman. Quelle valeur que vous donnez à l'argent? Est-ce que nous le considérons comme peu de choses? Comme Dieu le voit, comme peu de choses, afin de l'utiliser pour le faire entrer dans le royaume de Dieu, en donnant et en recevoir. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je vous dis. Et c'est là que cela arrive. Pour que nous puissions savoir nos besoins fondamentaux sont assurés. Avant de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas le fait que tu vas semer que tu vas venir aux besoins fondamentaux. Qui t'a... Non! La semence pour toi servira pour pouvoir aider les autres. Mais à la base, et c'est pourquoi il nous dit au verset 20, c'est pourquoi. Il a dit c'est pourquoi. C'est pourquoi en cas des autres ça. Ne vous inquiétez pas en
en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire. C'est pourquoi pas manoir, comme nous sommes en France, manoir pas continuer maman. Maman, quand elle mange et boit, elle dit, ça n'a pas de problème. Pas occupé de ça. Ou toujours manger. Pas occupé de ça. Pas occupé de ça ou après, elle mange. Et ça, c'est le gros souci, nous ni. Là, nous avons souci là sans tête en nous, alors nous ne pouvons pas bailler en rien même. Ah! Écoutez quelqu'un dit. Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? Ça, c'est besoin fondamental pour dire que vous pouvez ça. C'est pourquoi il dit comme ça, en cas pour les autres, pas partir ni sac ni rien. Les autres qui font que nous, oui. Je connais une soeur, on parlait au téléphone. Il était plein de difficultés même. Il partait trois timounaïens à Terry en métropole. Il a dit Fabrice, ça partait qu'on est là, t'es calé. Bon Dieu, il ouvre pas de bail. Ça, c'est une vérité. Est-ce que nous parlons à ça? Parce que nous petits cocos, nous, je travaille, j'ai mon salaire, j'ai la banque, je fais mon prêt. Nous ne pouvons pas nous encoter vers ça. Nous ne pouvons pas nous encoter vers ça. Au moment de la difficulté, c'est pourquoi le diable a dit pour Job, pour, il qui font tout ça, mais pour. Enfin, pour rien, c'est pourquoi tu considères cela comme peu de choses. Peu de choses. Peu de choses. Ce que tu as, c'est peu de choses. Et ce qu'il dit, la vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez les oiseaux. Il a dit, gardez, observez. Voyez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Donc, seulement ça, pas qu'à sa vie, a besoin personnel là-haut. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que? Hein? Ou pas nous plus valeur que? Qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, prolongerait son existence? Ne sera-t-il que de quelques instants? Qu'elle dit, quant à vos vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Les besoins fondamentaux, c'est l'éternel qui a coupé de ça. C'est lui. Il a pensé sur papa, chéri d'amour, qu'elle nous nie. Il dit, maintenant, parce que nous avons donné l'argent tellement valait qu'elle n'est pas ni nous bloquer. Parce que c'est sous nous. Qui est-ce qui est sous nous? Qu'elle a dit après? Il dit, observez les lits sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon, et nous savons que Salomon était un monde qui était riche, hein? Le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous revêt-il pas vous-même? Et c'est pourquoi bon Dieu aussi il y a vêtements. Alléluia. Là, il vient dans la louange. Où ma soeur Claudia? Amen. Il a mis des vêtements de louange. Là, il a tenu, il a hélé. Ça peut être dérangé peut-être, mais c'est ça bon Dieu qui a menti. Il a hélé. Il met des vêtements de louange. Là, il a porté au fond d'ail. Il a dansé, il comprend parce que c'est dans la joie qu'il a fait. Ma soeur soit bénie. Et même si nous dérangé encore. Parce que Dieu est Dieu de la vie et pas Dieu de la mort. Et cela peut déranger. Mais qu'est-ce qu'il est comme ça? Non, laissez libre. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. Ma soeur soit bénie. Elle est encore plus fort. Elle est encore plus fort. Parce qu'on connaît leur sortie. On connaît sa bonté fait par. On connaît ses faits par. Elle est encore plus fort. Et on est dérangé. Et après, on se voit que tomber sur nos doutes. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
Si donc, et qu'a dit après, où l'en y est? Où est-ce que je suis? Verset 21, c'est ça? 31. Alors, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangeons-nous, que boirons-nous, avec quoi habillons-nous, toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Donc, est-ce que à l'assemblée à nous le païen, s'il y a beaucoup de païens, fait nous venir à Jésus. Parce que c'est Jésus qui ne pas inquiéter nous derrière. Ce sont les païens. Et bien dit, ce sont les païens qui commandent ça. Donc, si nous sommes païens, nous faisons nous sauver. Et le sang de Christ. Parce que quand le diable va passer, écoutez, bientôt, ça qui peut nous sauver, bye vie, vite, vite. Parce que pourquoi? Parce que là ou pas dans le Seigneur, ou qu'on en bétail, ou qu'on en cochon, ou bien ou avec cochon à Noël, le premier là, mais pas comprendre rester en paix mort. Là, premier samedi à cette taille, mais le clap pour mort. Donc, sous pour ni Jésus-Christ, le sang de Christ pour en l'air. C'est pour le diable qui est venu, l'ange de la mort qui est venu, c'est qu'il passe au feu, la Pâque en l'air. Diable qui est sauté, mais sous pas ni le sang de Christ en l'air. Même sous ni l'argent, même sous tout ça, diable qui est venu qui a frappé. Donc, si vous pouvez sauver, Dieu qui a appelé, n'endurcis pas ton cœur. Engage-toi et bon Dieu qui fait simplement il commande de fini et lui qui fait simplement ça parce que bientôt qu'il n'y a un moment pour le baptême pour entrer dans l'alliance avec le Seigneur. Mais s'il n'y a pas l'alliance avec Dieu, s'il n'y a pas le sang précieux, et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, dans les poteaux, dans les laiteaux, il tenait le sang à l'entouraille, même si tenait un égyptien là comme ça. La mort qui a passé au-dessus. Mais quand il n'y a pas le sang de Christ, tôt ou tard, diable qui a venu, qui a dit, je là, en faisant sacrifice, en faisant bœuf, moi manger, qui a tué bœuf là, et en faisant poule, moi manger. Parce que dans le domaine du diable spirituel méchant, il a gardé l'être humain comme un bétail. Alors, ou pas un bétail, ou sans fils et filles de l'Éternel, et tu as l'occasion de le faire. Nous avons l'occasion de le faire. Pas passer à côté. Ne passez pas à côté. Ne repousse pas à demain. Pas penser à quand qu'est fait. Quand Marie est mécanique. Quand Simon est mécanique. On ne peut pas parler. Non. Ne vous inquiétez de rien. Parce que ce sont les païens qui le font. Alors c'est vous qui pouvez répondre à la question là. Ça. Est-ce que vous payez ou pas? La réponse qui est faite avec Ketida ou pas. Amen. Acquitté ou pas, on va bientôt terminer, couturer. Et c'est pourquoi, au Matthieu 7, il dit, au chapitre 7, il dit au verset 7, demandez et vous recevrez. Voilà le royaume. Demandez et vous. Demandez, il pas dit et vous pouvez acheter. Demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre celui qui frappe. Qui de vous, et dit ça, donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, est-ce qu'il dit si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, tout mauvais, à combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il, il dit donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. À qui lui demande. Parce que notre Dieu est un Dieu de surabondance, de bénédiction, d'extraordinaire. Mais parfois, c'est cela, l'amour du Seigneur qu'on n'a pas. On n'aime pas. On n'aime pas, mais on veut. On n'aime pas, mais on veut. On n'aime pas, mais on voulait le don. Si bah, don là, ou que corrompu, ou que utilisé pour exploiter les autres, pour dépouiller les autres. Mais quand le Seigneur te donne, tu es au service de Dieu auprès des hommes. C'est ça qu'il a dit. Il a dit,
Père, me voici pour faire, oh Dieu, ta volonté. Envoie-moi. Parce que moi, enterré, dépouillez-moi, me paille. Parce que j'ai. Et ça, nous faisons. Ou cela, nous avons un gaz. Nous avons vu couper, puis tout, faire sortir là, puis tout. Est-ce que c'est ça, nous voulons? Parce que demain, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir. Qui est-ce qui te savent, ça, Paul Vini? Aujourd'hui, nous comptons. Mais si à l'époque, ils ont été rejetés et ils ont été payés parce qu'ils ont persécuté l'église. Ils ont coupé Jaria, ils ont coupé le monde. Ils étaient partis, ils étaient mandatés pour ça. Mais le Seigneur rencontre en chimée. Et il vient. Et aujourd'hui, quand nous lisons sa lecture, on a senti l'amour du Seigneur prête. Et c'est pourquoi il pouvait dire, ma souffrance pour vous, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Ma souffrance pour vous, c'est pour votre bien. C'est pourquoi il pouvait dire ça. C'est pourquoi il pouvait dire cela. Et sommes-nous prêts à cela? Nous avons demandé pour ici que c'est l'amour du Seigneur. Piscine de Bethesda, mais c'est malade qui est venu. Ou comme on t'a invité, mais c'est malade, on a problème qui est venu. Qui sait où que fait? Comment tu feras? Dis-moi, est-ce ces belles paroles-là, Seigneur, je te veux, sauveur. Est-ce que c'est ça? Papa, il pour côté. Est-ce ça? Donc, nous savons nous-mêmes examiner nous-mêmes par rapport au Seigneur. Non par rapport à un autre, mais par rapport au Seigneur. Et là maintenant, quel que soit les difficultés, quel que soit le problème, quelle que soit l'opposition, tu vas peut-être pleurer, mais tu vas venir auprès du Seigneur. Il va te revêtir parce qu'il y a un vêtement pour cela. Il y a un vêtement pour cela, afin qu'il rhabille nous. Vêtement d'autorité, vêtement de la louange, de l'humilité, de la grâce du Seigneur, afin qu'il coule. Et ainsi, qu'il dit à l'église, il dit ceux de la synagogue de Satan, fidèle, l'église Philadelphie, il dit ceux de la synagogue de Satan viendront et se prosterneront où? À tes pieds. Et ils sauront que je t'ai aimé. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quelqu'un fait mal. Ils ont effet là, mais ils ont fait mal. Il a fait mal, mais que tu dis, ah ouais, pour bitan fey, pour incantation en fin l'œil, pour malédiction en babaye, pour bitan en fin l'œil, il tout bout là toujours, il force. Non pas parce que, mais parce qu'il y en met le Seigneur. Et Dieu refait-il. Parce qu'il n'y a pas qu'à inquiéter tu l'entremets. Il n'y a pas qu'à inquiéter pour ses enfants. Il n'y a pas qu'à inquiéter pour ça. Parce qu'il savait que mon Dieu pourvoit à mes besoins. Et c'est pourquoi, à cet moment, il te dit à Abraham, je suis ton protecteur, je suis ton bouclier. Bouclier, en certain moment, tu as trop pitié. Bouclier, ben voilà. Lui, maintenant, il devient ton bouclier. Et c'est pourquoi ta vie peut dire cela. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon bouclier. Je ne crée aucun mal. Les flèches qui sont venues, à droite, à gauche, et qui viennent tout pour comme ça, et qui détournent, parce que Jésus est ton bouclier, parce que tu as mis ta confiance en lui. Celui qui met sa confiance dans l'Éternel, désormais, ne sera pas déçu au grand jamais. Les choses peuvent tomber, et c'est pour ça, il va te nourrir. Même dans les terres arides, tu seras rassasié. Ça c'est mon Dieu, ça c'est mon papa chéri d'amour. Tu seras rassasié. Et c'est pour cela, à ce moment, il te dit ne pas inquiéter de cela. L'inquiétude qui est paralysée, il te fait voir les choses autrement. Mais au moment du manque, le Seigneur il a rassasié. Au moment, il te sera rassasié. Rassasié. Alors imaginez ce que le Seigneur veut pour nous, son peuple. Il faut que nous puissions revenir au Seigneur. Et mort à nous-mêmes. Nous trouvons en nous,
nous-mêmes, nous trop amènes nous-mêmes, nous trop concentrés sur nous-mêmes. Et au moins subité, nous jamais monté au coco. Au moins subité, nous enragés, nous arrouons tout ça. Dieu veut cela. Dieu veut des piliers. Dieu veut ça. Et si à celui qui persévérera, Philadelphie, pour clôturer, c'est simplement le dernier là. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse va clôturer par ça pour vous encourager. Relevez-vous. Même si vous oubliez, ça qu'arriver, nous, mais tendez-nous au point où nous en sommes. Tendez-nous par la main. Au point où nous en sommes, tendez-nous par la main. Apocalypse. Philadelphie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Nul, je le sais, tu n'as que peu de puissance. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Mais mon papa est tout puissant. On n'a pas cherché puissance. Mon papa est tout puissant. Tu as, qu'est-ce qu'il dit? On avait vu la foi, l'obéissance. Mais il dit, tu as obéi à ma parole. Et tu n'as pas renié. Tu n'as pas renié. Eh bien, encore une fois, le principe du royaume, je te donne. Je te donne. Il n'y a pas de quoi acheter. Je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils sont des juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer. Amen. Persévérance que je t'ai donné. Encore une fois, donné. C'est pourquoi, à mon tour, il dit, c'est pourquoi maintenant, à mon tour maintenant. Et les choses pas qu'elles pibantées encore. Si nous ne pas parler, nous tuites. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Il qui a envie de prendre le prix de la victoire en main, il qui provoque, il qui fait répéter pour sortir en place à oui, pour perdre, c'est ça ou la diable là. Il qui provoque, il qui fait débiter. L'entendre ça, passe ici ça, bénis l'Éternel. Parce que si tu souffres injustement, c'est le couronne de gloire qui est sur ta tête. C'est le couronne de gloire. Et bien souvent, nous avons jeté couronne de gloire là, ça nous fait pas. Mais il dit, du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, du vainqueur. Un pilier. Et il n'en sortira plus. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Donc il y a un nom nouveau qui n'a pas encore été révélé. Alléluia. Il y a un nom nouveau qui n'a pas encore été révélé. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors ce soir, si nous aspirons à quelque chose, le don de le meilleur, excellent, est d'y chercher l'amour de Dieu. Ainsi, le Dieu de l'amour, de la multiplication, nous serons étonnés, mes frères. Rien ne sera impossible à Dieu pour te donner. Mais en amont, il cherche et nous prépare pour faire passer à travers nos vies. Pour faire passer. Nous avons un tuyau en l'eau de l'eau qui a passé dedans pour alimenter beaucoup. Ou quand nous venons comme un tuyau, à pas là il passe dedans, à pas pour garder, mais pour le bénéfice du corps de Christ. Capable de faire passer toute qualité, chose, révélation, bien matériel pour donner.
donner une voiture à quelqu'un, donner une maison à quelqu'un, quoi que ce soit, parce que tu vas le considérer comme peu de choses. Parce que ton papa est un Dieu d'excellence. Notre papa est le Dieu d'excellence. Alors ce soir, ce matin, levons-nous. On va remettre ce moment entre les mains de notre roi qui veut la bénédiction pour ses enfants. Seigneur, ce matin, nous t'élevons, papa. Nous te magnifions, mon Dieu, moi, mon main. Parce que tu es le grand semeur, le grand donateur, Seigneur, et sème dans la vie de tes enfants. Et la première chose que tu as semée, Seigneur, c'est l'amour que tu as semé dans la vie de chacun, dans chacun de tes enfants. Tu l'as semé, Seigneur. Il faut que cet amour-là, papa, puisse produire encore, grandir encore, Père éternel, afin de marcher dans tes pas, Seigneur. Afin que nous soyons cette source de bénédiction, parce que la source est en nous. Père, nous te rendons grâce ce matin. Afin, oh Dieu, là, mon Dieu, nous avons été blessés. Là, oh Dieu, au plus profond des cœurs, Seigneur, que ton onction, l'huile, Seigneur, puisse guérir. Qui est blessé, Seigneur. Afin, oh Dieu, que soyons tous entre tes mains un instrument de bénédiction. Seigneur, nous te disons, nous voici ce matin. Père, pour que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté, Père, je remets entre tes mains, Seigneur, tes enfants, que tu façonnes comme toi tu veux, Seigneur. Je te prie ce matin, Papa Dodo, dans le nom de Jésus-Christ, après que moi-même, Seigneur, puisse avoir prêché pour que je ne puisse pas me trouver disqualifié, Seigneur. Ce soir, ce matin, je le remets entre tes mains. Afin, oh Dieu, le lien de la perfection, qui est le lien de l'amour, nous entoure, Père éternel, pour un seul but, pour que ton nom à toi soit béni, pour que des âmes soient sauvées, Seigneur. Donne à chacun de nous ta vision, ton cœur, Père, afin que ton nom à toi soit béni, afin que tu sois content, Père éternel, que nous puissions voir aussi une multitude de descendances à toi. Seigneur, sois béni. Ce matin, nous voici sous ton autel, afin, oh Dieu, que ton nom à toi seul soit fait, ta volonté seule soit faite, Père, pour la seule gloire de ton nom. Remplis-nous, que nous soyons débordés de cet amour, Père éternel, parce que nous savons, dans ton esprit, tu l'as répandu en nous, et il y a tout pleinement. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.